L'hypermarché Leclerc de Baleone est ouvert, mais l'autorisation commerciale reste contestée. Le contentieux entre François Padrone de Leclerc et Jean-Claude Thor de Carrefour semble pencher en faveur de ce dernier. Lundi, en Conseil d'État, le représentant du ministère public a demandé le rejet de la requête formulée par François Padrone. L'arrêt sera rendu sous quinzaine. Le 31 octobre 2017, la cour d'appel de Marseille, saisie par le concurrent, a cassé l'autorisation commerciale dont disposait le Leclerc. Motif invoqué, la commission qui délivre les autorisations n'a pas correctement apprécié l'impact du projet sur les flux de transport. En d'autres termes, c'est l'accessibilité du magasin qui est en cause. Cet épisode s'inscrit dans une logique de conflit entre deux propriétaires de supermarchés, ouverts en 2011. Le Carrefour, lui, avait été contesté durant 10 ans devant les tribunaux. Le contentieux autour du Leclerc pourrait durer encore quelques années.